Nous voulons bénir le Seigneur notre Dieu. Nous voulons lui rendre toute la gloire parce que lui, il est fidèle, il est là avec nous. Il ne nous abandonne jamais, il marche à nos côtés et ce matin, son esprit, oh, parcourt toute la terre. Et je veux saluer tous les adorateurs, musulmans, chrétiens, catholiques, évangéliques, pentecôtistes, toutes sortes de religions. Et nous voulons ensemble dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons t'adorer. Tu nous connais, tu sais tout de nous. Toi, notre lumière et notre sauveur. Toi, le rempart de notre vie. Toi qui veilles sur nous. Toi qui, même au cœur de la bataille, nous donne l'assurance et la force de tenir. Nous voulons ce matin, où que nous soyons, élever la voix, commencer à bénir ton nom. Merci, Père. Pour tes bienfaits. Merci, Père, pour ton amour. Nous voulons te rendre grâce. Nous bénissons ton nom. Merci pour tous les dons et gâteaux. Merci pour tous les dons et gâteaux. Merci pour ta faveur. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, le psalmiste a dit dans le psaume 27 et 26, nous sommes encore dans ce psaume. Il dit, le Seigneur est ma lumière, il est ma lumière, il est ta lumière, c'est lui qui éclairera notre journée. C'est lui qui éclairera notre vie, qui éclairera nos décisions. Seigneur, ce matin, je veux te présenter tous les adorateurs qui ont des décisions à prendre importantes. Seigneur, que ta lumière les éclaire. Qu'ils prennent ces décisions dans la vérité parce que tu es la vérité. Voyez, le psalmiste a bien dit, il dit, si une armée vient m'assiéger, je ne prouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors, je me sens en sécurité. Or, bien souvent, nous avons du mal à être vrais parce que nous ne nous sentons pas en sécurité. Nous nous disons, mais si je dis la vérité, si je pose cet acte alors que je sais que c'est ce que le Seigneur met dans mon cœur, mais si je pose cet acte-là, tout le monde va me regarder autrement. Je n'aurai plus d'amis, je n'aurai plus de familiers, personne ne me fréquentera. Alors on préfère rester dans le mensonge et dans le faux. Le psalmiste dit, si une armée vient m'assiéger, même si je reçois des menaces, il dit, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage, même alors, je me sens en sécurité. Parce qu'il avait fait l'expérience de Dieu. Il savait que c'était un Dieu juste. Un Dieu qui prenait soin de ses enfants. Un Dieu qui veillait sur ses enfants. Alors ce matin, où que tu sois, vraiment je veux porter tous ceux qui ont des décisions à prendre aujourd'hui. Que dans notre temps, dans ce moment que nous allons vivre, demande au Seigneur de soutenir ton cœur afin que tu sois vrai. Fais l'expérience de ce que le psalmiste vient de dire en son verset 3. Il dit, même si la bataille s'engage, même si on t'a dit, si te disent que tout le monde t'attend, ne mens pas pour que l'autre soit condamné et que toi tu aies tous les privilèges, tout simplement parce que si tu dis la vérité, tu perds tes privilèges. Tu es un adorateur. Seigneur, en ce matin, nous venons à toi. Tu es grand, tu es bon. Tu n'abandonnes personne. Tu as toujours été là présent dans nos vies. Tu resteras présent dans nos vies.
Alors nous voulons, pendant que chacun fait, comment on va dire, la lecture de sa, la journée qui va commencer, c'est toi qui sais quelles sont les décisions à prendre. Je t'en supplie, sois dans la vérité. C'est-à-dire, pour une fois, fais tout pour être dans la vérité, pour expérimenter ce Dieu bon et ce Dieu puissant. Seigneur, nous venons à toi, tu nous connais. Bien souvent, nous avons des décisions à prendre, mais nous avons peur. Nous connaissons la vérité, mais nous nous asseyons sur la vérité. Parce que nous voulons, Seigneur, protéger nos vies. Nous voulons protéger nos avoirs. Nous voulons protéger notre bien-être. Oh Dieu, parce que si nous disons la vérité, on nous arrache tout. Si nous disons la vérité, nous descendons comme dans la fosse, Seigneur. Nous devenons quelqu'un de commun comme les autres. Alors que nous avons tous les privilèges. Ce matin, Père. Nous venons dans ta présence. Tu dis, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est ce que tu dis dans le livre de l'Apocalypse. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions marcher selon ta volonté. Tu n'as jamais abandonné celui qui crie à toi. Tu n'as jamais... Alléluia. Alléluia. Tu vas dire avec moi, je ne t'ai jamais vu abandonner celui qui crie à toi, Seigneur. On va reprendre ensemble. Je ne t'ai jamais vu abandonner, abandonner celui qui crie à toi. Celui qui crie à toi. Seigneur, 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 Seigneur. Tous les adorateurs chantons ensemble. Je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais vu. Oh Seigneur, fortifie le cœur. Abandonner celui qui crie à toi. Celui qui crie à toi. Seigneur, maintenant tu vas dire, non, je n'ai jamais vu quelqu'un compter sur toi et être déçu. Seigneur, non, je n'ai jamais vu. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un compter sur toi. Et être déçu. Être déçu. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut. Tu es le rempart de ma vie. Tu es ma paix et ma joie. Oh Seigneur. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Tu es ma lumière. Tu es ma lumière et mon salut. Tu es le rempart. Tu es le rempart de ma vie. Tu es ma paix. Tu es ma paix et ma joie. Oh Seigneur, dis-lui de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Non, Père, de qui aurais-je crainte? Tu es ma lumière, on va reprendre ensemble. Tu es ma lumière et mon salut. Tu es le rempart de ma vie. Tu es ma paix et ma joie. Hey! Oh Seigneur, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Père, je veux te rendre grâce. Père, je veux te rendre grâce pour ton amour, ta fidélité, ta bienveillance, pour tes promesses dans ma vie. Oh Père, pour les promesses à venir. Quand je croyais ma vie perdue, tu m'as restauré.
Je suis qui je comptais m'en désavouer. Mais toi tu n'as pas abandonné. Tu as veillé sur moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et le psalmiste dit dans le verset 4, il dit: je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. Il dit: je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. J'aimerais que chacun, dans son cœur, demande au Seigneur la grâce de jouir de son amitié. Parce que c'est un bonheur d'être ami du Seigneur. Nous qui nous connectons, qui l'adorons, c'est une grâce que Dieu nous fait. Il dit: je ne demande qu'une seule chose au Seigneur. Mais cette chose que je demande au Seigneur, je la désire vraiment. C'est-à-dire, c'est mon désir le plus ardent. Ce désir, c'est de rester toute ma vie chez lui. Rester toute ma vie dans la présence du Seigneur. Rester toute ma vie en marchant sur le chemin de la vérité. Rester toute ma vie dans la droiture, quel que soit ce que cela peut me coûter. Il dit: pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors nous voulons prendre ce cantique. Dans les parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui me remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Dis avec nous: je suis au cœur de ma victoire. Je suis au cœur de ma victoire. Je suis au cœur de ma restauration. Je suis au cœur de ma restauration. Oh Seigneur. Dans les parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui me remplisse de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Hey, hey. Dans les parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui me remplit de joie devant les merveilles. Je suis au cœur de ma vie.
parmi du Dieu vivant. Alléluia. Brille le soleil levant, yes, qui me remplit de joie devant les merveilles de Adonai. Je sens couler la gloire, je vois tomber toutes mes souffrances, je sens couler la joie, je vois tomber la tristesse en moi. Mon cœur, c'est de demeurer dans ta présence afin de jouir de ton amitié, guetter ta réponse dans ton temple. Je demande qu'une seule chose, Père, mais je la désire de tout mon être, celui de demeurer dans ta présence, jouir de ton amitié, t'adorer tous les jours jusqu'à ce que je sois devant ta face. Oh mon Dieu, Dieu de ma vie. Oh mon Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh mon Dieu, mon désir c'est de demeurer dans ta présence. Mon désir c'est de te plaire. Mon désir c'est de te plaire. Je veux marcher dans la vérité. Alléluia. Seigneur, notre Seigneur, combien excellent est ton nom. Ton nom est force et puissance. Alléluia. Que chacun prie. Prions, élevons le nom du Seigneur. Car dans ses parvis brille le soleil levant. Nous sentons ce matin couler sa gloire. Que chacun lui dise: Seigneur, je te demande une seule chose, celle que je désire de tout mon être, parce que je sais, Seigneur, que si je t'ai, j'ai tout. Car tu dis: cherche le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Tout le reste, ces choses qui ne sont pas importantes, ces choses qui ne nous accompagnent pas, Seigneur, devant ta présence. Mais nous avons besoin de ces choses. Mais nous savons que nous sommes avec toi. Si nous sommes avec toi, tout nous sera accordé. Alors mon frère, ma sœur, nous sommes encore en train de méditer le psaume 27. Que chacun, avant de prendre la Bible, quand tu as ta Bible, je t'en supplie, avant de méditer le psaume, invoque le Saint-Esprit. Invoque-le, dis-lui: Saint-Esprit, viens m'éclairer. Que ce que le Seigneur a à me dire, à me révéler, me soit révélé personnellement. Et tu médites les versets 1 jusqu'au verset 4. Que le Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles, vous bénisse. Amen. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon.
tu es bon pour moi, tu es bon.